Bonjour, bonsoir, amis internautes. C'est avec un pile plaisir, un pile contentement, nous rentrer la caillou pour nous capables de partager vidéo ça avec vous. Non pas moi, c'est Jean-David Delzins et Chanel là, c'est Jean-David Info. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous pouvez vous abonner, nous invitons à faire ça. Qu'on y a même une façon pour capable aider Chanel Jean-David Info à avancer. Eh bien, dans la vidéo, ça, nous venons faire un petit parler avec eh bien, des deux notions que nous souvent utilisées en politique et surtout en Haïti dans la dernière décennie dans vivre là. Eh bien, deux notions sérieuses qui s'arrivent, c'est de gauche, de droite ou encore gauche et droite. Et même, il y a des gens qui connaissent parler de centre au centre. Et il y a avancé plus loin pour dire centre-gauche ou encore centre droit. Eh bien, notion ça yo souvent nous utiliser yo pour nous capables identifier eh bien des leaders politiques ou encore pour nous capables position. identifier eh bien des partis politiques. N'a pas de journée aujourd'hui, est-ce que en Haïti nous capables de parler de gauche en matière politique ou encore droite, centre, centre gauche, centre droit. Qui parti politique qui fait partie de gauche, qui parti politique qui fait partie de droite ou encore qui leader politique tout qui au centre, qui s'acquit centre gauche, qui s'acquit centre droit. Si vous déjà abonné, merci. Si vous pouvez abonner, nous invitez à faire ça. Qu'on y a même une façon pour capable aider Chanel Jean-David Info avancer et les abonnés, pas oublier activer petite cloche notification, une façon pour capable joindre toute vidéo nous publier. N'après un coup de pause, n'abtourne. Mesdames, messieurs, nous retournons après pause là et juste avant nous entrer directement dans le sujet nous, n'après appeler aussi ou dans Gonaïve ou bien ou dans zone avoisinante ou besoin d'une l'école sérieux pour capable confier éducation petit tout, eh bien pas négliger confier petit tout avec institution le classique des Gonaïves ICLAG, eh bien c'est l'innovation en matière de l'éducation. Eh bien, tout ça qui a fait, tout ça qui a marché dans la société, eh bien, une fois que vous n'avez pas innové, eh bien, vous appelé pour être capable d'effondrer. Eh bien, c'est comme ça. Nous avons un staff professeur chevronné dans la ville Gonaïve, un staff professeur qui passait de présentation, et tout le monde connaît ça déjà, eh bien, qui a ça, eh bien, ouais, comment vous êtes capable, eh bien, innover question éducation dans la ville Gonaïve ou encore dans le département de l'Artibonite. Dans la tête staff là, nous avons professeur Smith Luma, Michel Sefleur, nous avons professeur Telson Seyan Sineus Junior, nous avons maître Besni, nous avons professeur Jordani. Eh bien, pour nous citer ça seulement, qui mettait tête sur ensemble pour capable offrir, pour capable porter une éducation de bonne qualité, eh bien, avec communauté gonaïvienne. Pas négliger, eh bien, confier petit tout avec staff tout neuf ça qui c'est staff ICLAG, institution le classique des Gonaïves. Mesdames, messieurs, sujet nous aujourd'hui pour vidéo ça, c'est parler de deux concepts que nous souvent utilisés en matière politique. Nous utilisons là, on a parlé de politique en Haïti et c'est pas seulement en Haïti, yo parlé de concepts ça yo, des notions ça yo et yo pas même prendre naissance en Haïti, mais nous-mêmes nous utilisons yo pour nous capables parler politique, pour nous capables identifier des leaders politiques, pour nous capables identifier position parti politique. Eh bien, deux concepts ça yo, eh bien, nous pourrons regarder ensemble qui ça, qui bon, qui côté au sorti, qui ça yo symbolisé, qui ça yo identifié. Deux concepts ça yo, c'est gauche droite, c'est de gauche ou encore de droite, et yo même parlé de centre et yo aller plus loin puis yo parlé de centre gauche, centre droite. Nous même en Haïti dans dernière année yo, nous utiliser concept ça yo pour nous capable identifier eh bien un parti politique ou encore idéologie ou encore un politicien ou encore un leader politique et qui ça lui-même eh bien l'a soutenu. En pile fois nous utiliser gauche là pour nous eh bien leader politique ou encore parti politique eh bien qui positionne yo du côté de la masse. OK, nous encore nous on dit côté peuple et nous identifier moun gauche droite là
pour leader politique qui plus camper bon côté bourgeoisie. Centre, okay. C'est le monde qui camper au milieu, monde est bien cap fait équilibre. Et j'aime dire là, nous qu'on aller plus loin nous parler de centre gauche et centre droite. Mais na centre sujet c'est parler de gauche et de droite. Et bien qui ça vraiment et bien deux notions ça yo symboliser en matière politique et bien qui côté yo sorti dans quel contexte de notions ça yo qui prend naissance et est-ce que signification que nous attribue avec yo journée aujourd'hui en Haïti et bien est-ce que c'est normal ou encore est-ce que c'est réel, est-ce que c'est ça lié vrai. Nous parler de question communiste ou encore socialiste que yo attribue avec la gauche et question et bien libéralisme ou encore la liberté que yo attribue avec la droite. Et je te dis là moun qui fait un certain équilibre entre les deux, eh bien, yo parle de centre avec yo. Eh bien, pour nous capables plus approfondir, pour nous capables plus bien comprendre de notions sa yo, côté yo soti, pour qui sa yo te étudie, yo te parle de gauche, yo te parle de droite, eh bien, nous pral regarder yon extrait vidéo de ancien président Leslie François Maniga, côté que li tap accordé yon interview avec yon journaliste dans les années 90, eh bien, côté il était détaillé, il était expliqué, il était parlé des origines, eh bien, de notions sérieuses qui c'est la droite et puis la gauche, et il était parlé tout de centre. Eh bien, comme ça, qu'on y a même avec professeur Leslie François Maniga sous question gauche et droite en matière politique. Pour saisir une idée, pour saisir un concept, faut ou ouais côté le sorti, qui le né, pour qu'il salve paraît, pour qu'il soit utilisé. Eh bien, expression droite gauche là pour caractériser deux positions sous scène politique là, c'est une expression qui remontait à l'époque Révolution française. Ouais. C'est le moun yo gen pou yo reparti dans assemblée, dans tribune nan yo, et puis comme par hasard, moun yo réuni selon tendance yo, selon affinité yo, la yo youn pense kan kou lot, yo mette yo ensemble. Et il s'est trouvé que moun ki te plus ardent révolutionnaire à l'époque, moun ki te vle changement, alors son mon notion capitale, hein, moun ki te vle changement par rapport à la situation, hein, yo te situé, te chita à gauche. Et moun ki tap défendre ancien régime nan yo, moun ki pat vle bousculer situation trop, moun ki te pense, faut être à conserver une situation qui bon, même si faut apporter une amélioration, mais fondamentalement, yo pas vle changement révolutionnaire, moun sa yo te chita à droite. Et depuis le a parlé, yo dit, ça la gauche pense, c'est-à-dire tout moun ki chita à gauche yo, qui pour gros changement, qui pour mouvement sous politique là, et ça la loi de penser moun qui préfère dire on ne pas chercher balai trop vite, on ouais ça ne conserve ça ne gagne, nous pas jamais connaître ça changement à porter, on ouais c'est quand même le balai progressivement. Et c'est ainsi que yo vinn paraître à expression droite gauche là à l'époque en France, à l'époque révolution, si bien que gauche la vinn signifier très vite nan parler moun gauche, c'est moun qui révolutionnaire situé à gauche, moun qui conservateur situé à droite. Son première approximation, et ça m'a dit là c'est pour mon faut comprendre les barrages là né comment nié. Mais il y a deux barrages qui passaient qui extrêmement important dans histoire droite gauche là. Le premier gros barrage qui vient arriver, c'est les vient à poser question sociale. Question sociale, particulièrement les 19e siècle en France et dans le monde, il a parlé de socialisme. Comprendre? Et puis après, les Marx viennent, ils créent le marxisme avec Engels, ils font paraître le manifeste communiste. À partir du moment où marxisme vient commencer à développer et que socialiste et communiste a commencé à contester l'ordre là, mais elle pas contester seulement sur l'ordre politique, il contester dans l'ordre économique. Il posait problème non sous l'angle bourgeoisie avec classe ouvrière. Il posait problème non sous l'angle exploitation classe ouvrière là par bourgeoisie. Et que donc, pour mettre fin à l'exploitation, ça faut changer tout l'ordre social là. C'est pas seulement l'ordre république, à savoir, ou pas royaliste encore, ou pour la république, ou pour république, hein, c'est pas l'ordre politique, non. Qu'on y a, ou pas changer totalité l'ordre social là, parce que, ou pas la teko à base l'ordre social là, d'après yo, qui est la propriété.
propriété dans nos propriétés à bon bail pour nous dire sous ça parce que haïtiens comprennent que propriété c'est posséder un caille. Propriété c'est posséder une voiture. C'est propriété liée tout. Mais les socialistes et communistes paraît les Marx paraît sur la communiste là, c'est pas propriété ça non, ils contre au contraire. Au monde qui doit un caille, au monde qui doit une voiture, dit contre bagarre il est propriété des moyens de production, c'est-à-dire l'argent et appareil et capital. Machine. Qui c'est ça machine capital qui l'ont metté li ou mandé ouvrir à vin travail ou qu'a produit avec lui grâce à capital investi ou utilisé travail force de travail ouvrier pour produire. Alors c'est ça Marx relie propriété véritable là pour c'est-à-dire le capital il te dit que capital ça qui propriété a dans un petit groupe moun. Alors que production qui fait là, c'est majorité travailleurs qui, parce que ils utilisent force de travail, ils ont un petit salaire, mais tout ça produit en plus là, l'aller de trouver un bénéfice seulement capitaliste là. Alors là, ils attaquent le système ça, et ils disent que pour faire société à avancer, faut se goumer ou goumer contre l'ordre social ça. Faut rentrer dans le système de lutte de classe. Et donc, faut rentrer dans la violence, dans la révolution. À partir de ce moment-là, il y a un changement qui fait dans la fête droite-gauche là. Jusque-là, la fête droite-gauche, on t'a dit, c'est mouvement par rapport à statu quo. On te dit, c'est changement par rapport à, nous ne pouvons pas connaître, on garde sa guerre. Mais à partir du moment où Marxiste a vient intervenu, il déclare aux communistes, particulièrement, il déclare, c'est yo que la gauche. Donc, tout le monde qui n'est pas rentré dans l'acceptation schéma marxiste, là, doctrine marxiste, là, pratique marxiste, là, politique marxiste, là, mode d'action pour changer la société, là, tout le monde ne savait pas dans la gauche encore. Donc, vous avez une situation à partir de la seconde moitié du 19e siècle, là, la gauche, il dit communiste particulièrement, socialiste aussi un petit peu, mais c'était communiste, pas même admettre socialiste véritablement, mais communiste fondamentalement, et toutes les autres, ils jetaient de l'autre côté. Côté GTO, alors c'est là que vient le grand problème. Puisqu'on peut pas jeter tout à droite, selon l'ancienne conception, hein, gon parti c'est à droite, yo ye, mais gon l'autre parti qui pas à gauche, c'est-à-dire pas communiste, pas socialiste. Et cependant, ou pas capable mettre à droite non plus. Mais ça, faut créer l'autre leçon pour yo. Et au songer, que depuis la révolution française, il y a un groupe de monde qui n'est pas à droite, ni à gauche, il était au centre. Et vu qu'il y a une part à faire, il vient revaloriser la notion au centre. C'est-à-dire, le monde qui est dans le centre là, c'est le monde qui pavent les changements radicaux, violents, révolutionnaires, mais ils pavent les conserver, et ça tu crois non plus, situation, ils veulent changer progressivement, modérément, graduellement, sans pas faire bouleversement. Est-ce que ça fait référence à terme, par exemple, réforme et réformiste? Un petit peu, si vous voulez, on peut mettre le comme ça. C'est pas tout à fait, mais ça dit à la bonne direction. C'est dans ce sens-là. Gauche la vine révolutionnaire marxiste, et droite la vine ça y aurait des réactionnaires, c'est-à-dire opposés à la révolution marxiste-ouvrière, et sainte la vini, effectivement, changement modéré, ou capable de le réformiste par rapport à révolutionnaire. Ben, moi, donc, à partir de ce moment-là, bagaille droite-gauche, là, ils ont une problématique d'antagonisme, de force. Et qu'on y a, bagaille droite-gauche, là, vini obligé à accepter que ces trois positions gagnent, une gauche, une droite, et une position centriste. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous pouvez vous abonner, nous invitons à faire ça. Qu'on y a même une façon pour capable aider Chanel Jean-David Info avancer. Et les abonnés, pas oublier d'activer la petite cloche de notification. Une façon pour capable joindre toutes vidéos nous publiées.